Ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, nous sommes dans une période dangereuse, une période où les Ottomans sont pas très loin et où le monastère, c'est pas simplement un lieu pour les moines et les moniales. Le monastère, c'est un lieu de pouvoir, de prestige, de défense, un lieu militaire. C'est un lieu pour la mémoire, c'est-à-dire c'est un mausolée, il va se faire enterrer ici. C'est aussi des lieux de culture, c'est-à-dire que dans l'intérieur du monastère, qui est une véritable petite ville, il y a des ateliers de peintres, de manuscrits, d'architectes, des scribes, des intellectuels, des hommes politiques. C'est un conseil aussi pour le roi. L'Église elle-même, elle a à la fois ce caractère mixte, c'est-à-dire de caractère à la fois byzantin et occidental. Alors, byzantin, c'est la forme globale. Le plan lui-même, il est de type byzantin. Ici, cette pierre calcaire qui est très belle, qui est plutôt une manière de travailler la pierre à la manière romane, à la manière occidentale. On recule de 25 ans. Ici, donc, on reste dans une tradition de construction brique-pierre qui donne ce côté marqueterie qui est extrêmement gracieuse, d'autant plus que la pierre elle-même, il y a la brique, mais il y a l'enduit qui est rose, et le calcaire qui lui aussi est d'une teinte ocre qui s'harmonise à cette brique, ce qui fait qu'on a des camailleux qui sont harmonisés. C'est une architecture compacte, cubique, dans lequel le sanctuaire occupe quasiment tout l'espace, puisque regardez la nef, c'est juste cette petite partie devant. Hein. Après, il y a tout de suite le chœur qui est tréflé. C'est un dispositif à 5 coupoles, donc 4 coupolettes qui tournent autour d'une coupole centrale. Elle a été créée par Militia, qui est donc la veuve de Lazare. Lazare est mort quand ça ? En 1389, à la bataille du Champ des Merles. Sa veuve va servir d'intermédiaire jusqu'à ce que leur fils Étienne soit capable de gouverner. Quelle est la marque de fabrique ici de Toudenicha ? La coupole. Nous y revenons. C'est une coupole, donc à pans coupés, comme vous voyez. Est-ce qu'elle ressemble à une coupole byzantine ? Oui et non. Non, parce qu'elle est très haute sur pattes. Et du coup, elle ressemble un peu à une sorte de tour occidentale. Et où est l'Orient là-dedans? Eh bien, dans les voussures qui sont décorées de palmettes, etc. Donc, dans ces rinceaux qui, eux, sont plutôt de type oriental, seljoukide. À cette période-là, vous avez une abside, c'est-à-dire en 1206, la période-là. Donc 1206 et après 1204, d'accord? Donc, on remarque quoi? Une seule abside, qui fait quand même finalement assez romane. Des arcs travaillés en pierre et non pas en briques, qui font donc les aines de manière comme les arcs lombards occidentaux. Ça, c'est occidental. Par contre, l'enduit est rouge, mon Athos. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Ce qu'on appelle le stichère de Noël. C'est un chant liturgique qui chante Marie en disant « Le monde entier vient apporter nos offrandes ». Il faut reconstituer tout autour l'enceinte circulaire. Mais cette toiture-là, au fond, elle nous fait plutôt penser à une entrée d'église romane, avec le toit à double pan, avec la belle hauteur. La seule chose qui ne soit pas romane ici, c'est la structure du mur avec les deux demi-arcs de part et d'autre, qui, elle, fait penser à un triptyque byzantin. Mais sinon, avec ce grand portail blanc, avec cette belle élévation, on est quasiment dans une église romane. Je vous rappelle qu'on est en 1208, 4 ans après que les Latins soient à Constantinople. On pouvait penser à cette époque-là que c'en était fini de Byzance et que donc il fallait trouver un autre système, puisque les Latins étaient là. D'où
le retour en force, plutôt l'arrivée en force des formes latines, à un moment où on peut mettre en doute l'idée qu'il y aura un avenir pour Byzance. Il y a ici deux étapes de peinture successives. Une étape qui est du début du XIIIe siècle, qui est très intéressante, et puis une étape qui est un siècle plus tard, à l'époque de Miloutine. On va tout de suite regarder, nous, les éléments les plus intéressants de l'époque la plus ancienne, qui est ce mur occidental, ici, avec la fameuse crucifixion de Studenica, qui est une des grands tableaux parmi les plus célèbres de ce début de XIIIe siècle. Par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure au niveau des draperies, des gestes d'angoisse de la fin du XIIe siècle, on voit ici que la composition est calme et monumentale, classique. Donc ici aussi la Dormition elle a été piquée, mais la restauration a comblé les petits trous. On y voit une peinture grandiose, très calme, très assurée. Donc Hélène, la veuve d'Ouros, va faire construire ici, dans ce perchoir, ce très joli site, très simple, une église qui a évidemment des réminiscences multiples, à la fois occidentales et orientales, de manière très, très claire. Non, on voit cette splendeur d'équilibre et d'harmonie. Ce qui rend la chose très, très jolie, d'abord, c'est des questions de proportion. Ensuite, c'est l'homogénéité de la pierre. Elle a cette sobriété d'une géométrie extrêmement coupée au couteau, avec, encore une fois, une très, très belle proportion de volume. Donc on a l'impression qu'on est dans une basilique avec des bas-côtés et puis une nef principale. Donc on a un dispositif qui est vraiment occidental. L'extérieur donnait l'apparence d'une basilique à trois nefs, et que l'intérieur, nous sommes ramenés ici à un carré byzantin, un cube byzantin surmonté d'une très grande coupole. Alors, ce qu'on voit là, c'est que on a choisi des très grands formats. Des très grands formats avec des très grandes scènes qui vont occuper des panneaux entiers, comme vous le voyez ici. Tandis que sur les piliers, on va voir se succéder des immenses personnages en pied, comme vous le voyez ici, qui sont monumentaux, presque des géants, beaucoup plus grands qu'une taille humaine, et qui occupent donc l'ensemble donc, de ces grands piliers pour guider notre regard donc, jusqu'à la coupole.